Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Expression Libre sur Echo 237. Alors, aujourd'hui, nous sommes au Carrefour Romban, et la question que nous avons posée aujourd'hui s'adresse uniquement à la gente féminine, laquelle, suivez-nous pour en savoir plus. Quelle sera votre réaction si un soir votre partenaire rentre et vous annonce qu'il veut prendre une seconde épouse? Moi, en fait, comme moi je ne peux pas supporter me partager à mon mari. Jésus! Donc, d'abord, je suis d'abord trop jalouse. Et je n'aime pas me partager. Mieux que moi, je libère la maison et lui rester épouser une autre femme. Oh wow! Quelle serait votre réaction si votre mari vous annonce qu'il veut prendre une deuxième épouse? Si mon mari m'annonce pour prendre une deuxième épouse, et je ne serais pas fière parce que moi, d'abord, je n'aime pas me partager. Avec une autre femme. Et je suis trop jalouse et j'ai le cœur chaud. Qui chauffe? Ou c'est la femme qui va me tuer ou c'est moi qui va tuer la femme? Alors, on a souffert. Quelle serait votre réaction si un soir votre mari vous annonce qu'il veut prendre une deuxième partenaire? Je vais lui demander pourquoi, parce qu'il a fait quoi? Il vous a fait quoi pour que vous preniez une deuxième femme? Vous allez accepter? Non, je ne peux pas accepter. Wow. Quelle serait votre réaction? On ne saurait quoi faire, parce que la nouvelle est brusque. Bon, rien à dire, rien à faire, je vais seulement observer. Pour moi, ça me fait mal. Quelle serait votre réaction si un soir votre partenaire vous annonce qu'il veut prendre une seconde épouse? Une seconde épouse? Ça se passe comment? Pour qui prendre une seconde épouse? Jésus! Ça se passe comment? Non! Il n'y a pas une deuxième épouse, c'est une seule place. Alors, on a souffert. C'est une seule place, il n'y a pas une deuxième place. S'il veut, il fait tout dehors, mais à la maison, c'est moi. Je n'accepte pas une deuxième place. Au bureau. Quel serait votre point de votre avis si votre partenaire vous annonce un soir qu'il veut prendre une seconde épouse? Bah, je ne dis rien. J'attends voir ce qui va arriver après. Je suis troublé. Quand vous dites que vous attendez, c'est-à-dire vous attendez quoi? Ça ne vous dit? Si c'est ce qu'il dit est vrai ou bien il blague ou quoi que ce soit. Bon, même s'il est décisif, tant mieux si elle vit de son côté, elle vit de mon côté. Vous n'avez pas peur de perdre votre place? Et ça fait quoi? La vie continue, mon frère. On cherche l'argent, on n'a plus le temps de marier. Un jour, votre mari rentre et vous annonce qu'il veut prendre une seconde épouse. Quelle serait votre réaction? Ah, moi, ça ne me dérange pas. Si c'est sans à l'aise, il n'y a pas de souci. Hein? Il a compris. Ça dépend de ses moyens. Parce que ce n'est pas facile de prendre une deuxième femme. Ton mari t'annonce qu'il veut prendre une deuxième épouse. Quelle sera ta réaction? Je veux m'opposer. Wow. Parce que la polygamie, ce n'est pas une bonne chose. Quelle humiliation! C'est quoi? La polygamie n'est pas une bonne chose. Comment? Je comprends pas.
Bon, en fait, je ne peux pas accepter avoir une co-épouse. Ça ne peut pas donner. Bon, honnêtement, je ne sais pas où le courage là va lui venir. Jésus! Parce que moi, personnellement, je ne me vois pas signer régime polygamique pour commencer. Et si on n'a pas signé régime polygamique, je ne vois pas d'où l'idée va lui venir de prendre une deuxième femme. Et si de là, il persiste vraiment, il a un choix à faire. Soit il prend la deuxième, soit il reste avec moi. Et s'il décide de prendre la deuxième, ah, ma vie continue, c'est simple. Si mon mari vient m'annoncer qu'il veut prendre la deuxième femme, peut-être en cas que je n'accouche pas, et s'il vient m'annoncer qu'il veut prendre la deuxième femme, je vais accepter parce qu'il ne peut pas rester sans enfant. Si ce n'est pas le cas, je veux refuser. Mais comme c'est l'homme qui est le maître de la maison, avec son consentement, je vais quand même accepter parce que je ne commande pas la maison. Pour moi, ça me fait mal. Si votre partenaire vous annonçait qu'il veut prendre une deuxième épouse. Ah, je vais me fâcher, mais du moment où on a déjà signé monogamie, il ne peut pas, il peut pas le faire sans mon avis. Wow. Wow.